Laetitia va s'occuper 10 heures, Lucie. Tu veux voir ce qui se passe avec toi? Lucie, quand tu montres ton bleu. Little boy. Oh, oui. Jessica, je te laisse s'occuper de Lucie. Les tout petits, ils communiquent aussi ensemble. C'est pas forcément par de la parole, mais ça va passer par le toucher, par des regards, par montrer. C'est quoi que tu veux? Tu me montres, c'est la voiture que tu me montres? Tu viens la chercher, toi? Est-ce que c'est celle-là que tu veux? Là, on a pu voir Charlie qui me pointait du doigt une voiture. Voilà, c'est qu'elle commence à associer ce qu'elle voit et à pouvoir verbaliser en fait ce qu'elle a envie comme jouet. Donc elle l'a pas dit par des mots, mais voilà, le pointage, c'est aussi un moyen de communication que les enfants ont pour se faire comprendre. Tu dis vraiment beaucoup de choses, Aileen. Quand ils nous font tous ces petits ta-ta-ta, ma-ma-ma, même sans avoir du langage qu'on comprend, au final, on communique déjà avec eux. Je me lave les mains, savez-vous comment? De l'eau du savon, bien soigneusement. Hop là! Alors maintenant, on va ranger la serviette et le pantalon. On va faire le petit lavage de nez. En général, on verbalise beaucoup pour les enfants, c'est important pour eux. Ça leur permet de comprendre et ils l'assimilent très vite. Bonjour. Ah, ça m'a l'air délicieux ça. Et quoi d'autre? Tu me prépares? Est-ce que ça me dit le poivron? C'est très bon le poivron. On est prédisposé pour le langage, c'est un peu comme pour la marche, mais il faut l'encourager. C'est en parlant en fait avec l'enfant que lui il s'ouvre. C'est une idée toute bête, mais en fait il faut juste parler à l'enfant. En fait, c'est après il y a plein de choses qui en découlent derrière, mais l'enfant il va apprendre. La communication, c'est la construction des relations sociales et le processus de socialisation, on y participe. Et poser des mots, les accompagner dans le langage, ça participe à ce processus de socialisation qui est très important après quand on est adulte et qu'on doit pouvoir s'exprimer dans nos relations avec les autres.